Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la connexion, la connectivité Wi-Fi. Et on va voir ensemble comment partager sa connexion à partir de son iPhone. On a trois procédés pour ça. On va le voir ensemble. Et tout d'abord, on va se diriger sur Réglages. L'icône Réglages. Une fois sur Réglages, on va se diriger sur Données cellulaires. Bouton. Juste sous Données cellulaires. Partage de connexion. Partage de connexion. Le partage de connexion va se dérouler en trois parties. Soit vous allez partager votre connexion directement en Wi-Fi, soit vous allez pouvoir partager votre connexion par le câble USB fourni avec votre iPhone, ou soit vous allez pouvoir le faire par Bluetooth. On va voir ensemble les trois procédés. Merci de regarder cette vidéo et surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos. Alors, dans cette vidéo, vous allez entendre mon iPhone parler. Ceci est dû à l'accessibilité pour les personnes malvoyantes. N'ayez aucune crainte. Il n'y a aucun bug au niveau de l'iPhone, c'est l'accessibilité qui est mise en marche. Partage de connexion, en tête. Alors, on est sur partage de connexion. On va prendre la première partie qui est partage de connexion, activé. D'activer dans un premier temps le partage de connexion. Une fois que l'on aura activé ce bouton, on va pouvoir commencer à partager. On va aller dessous. Désormais détectable. D'autres utilisateurs peuvent rechercher votre réseau partagé via Wi-Fi et Bluetooth sous le nom de iPhone. Voilà, donc là, ici, il nous indique que suivant le nom que vous avez donné à votre iPhone, les autres appareils qui vont faire la recherche de votre appareil verront le nom. Ici, le nom de mon Wi-Fi s'appellera iPhone. Mot de passe Wi-Fi. Feu d'artifice. Bouton. Alors, dû au 14 juillet, j'ai mis mon mot de passe comme feu d'artifice. Mais ici, par défaut, on vous a donné un mot de passe. Bien sûr, ce mot de passe, il est assez compliqué. Donc, vous allez pouvoir renommer votre mot de passe à cet endroit et lui donner un mot de passe plus simple que vous n'aurez pas à les vérifier en permanence. Pour se connecter via Wi-Fi. Pour se connecter via le Wi-Fi, on va... Choisissez iPhone dans les réglages Wi-Fi de votre ordinateur ou d'un appareil. 2. Saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité. Tout simplement, lorsque vous avez activé, vous allez donc sur votre tablette, sur votre PC, sur votre télé et vous faites la recherche du Wi-Fi. Dans ces conditions, vous allez trouver donc votre iPhone avec le nom que vous lui avez dédié et à ce moment-là, quand vous allez cliquez sur cet iPhone, on va vous demander votre mot de passe comme d'habitude. Et vous n'aurez plus qu'à mettre ce mot de passe. Deuxième étape. Pour se connecter via Bluetooth. Alors comme on a dit tout à l'heure, on peut aussi se connecter via Bluetooth. On va voir comment on peut se connecter via Bluetooth. 1. Jumeler l'iPhone avec l'ordinateur. Ici tout simplement, vous faites une recherche Bluetooth des appareils avec votre ordinateur. On va lui demander de jumeler en Bluetooth l'iPhone au PC. 2. Sur l'iPhone, touchez jumeler ou tapez le code affiché sur votre ordinateur. L'ordinateur va vous donner donc un mot de passe comme d'habitude. Parfois c'est 4x0, mais là ce sera donc un nombre de chiffres que l'ordinateur vous donnera. Et vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi via le Bluetooth à votre PC. 3. Connectez-vous à l'iPhone depuis l'ordinateur. Et ici, la troisième manipulation, ça va être via le câble de votre iPhone. Ici, pour se connecter via USB. 1. Branchez l'iPhone à l'ordinateur. 2. Choisissez iPhone dans la liste de services réseau de vos réglages. Le principe va être simple. Vous branchez votre iPhone donc avec le câble Lightning en USB à votre PC. Vous allez rechercher dans le système réseau de votre ordinateur et vous le connectez directement comme modem à votre ordinateur. On va tout de suite voir en image ce que cela va vous donner.
Alors, on va passer au partage de connexion via sans fil, via le Wi-Fi. On va tout simplement se diriger sur l'icône Wi-Fi. Bluetooth, Wi-Fi, 4 barres sur Wi-Fi, 4 barres. Il est ici. iPhone, point. Donc ici, étant donné que l'iPhone est apparu, on le valide. Screen flow, Wi-Fi, 4 barres sur. On laisse l'iPhone se connecter. Et normalement, sur l'iPhone, on va voir une barre apparaître. Comme ici, tout en haut, une barre bleue qui vous dit que votre iPhone a une connexion en cours. Voilà donc pour cette petite astuce. Là aussi, pour les vacances, comme vous pouvez voir ici, on est toujours connecté sur notre iPhone au niveau du Mac. Donc pour les vacances, vous allez pouvoir partager votre connexion à partir de votre iPhone. Vous allez pouvoir mettre votre connexion sur des tablettes, sur des PC et pouvoir profiter du Wi-Fi partout et faire profiter vos amis ou la famille pour qu'ils puissent se connecter et naviguer sur Internet comme ils le désirent. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour que cette chaîne puisse monter, de me mettre aussi des commentaires pour que la chaîne puisse être diffusée au maximum. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !